Les nous garder sous côté nous, à gauche comme à droite, nous réaliser tout, que gain quelques peintures à l'arrière, de grands artistes invités qui invités pour soirée ça. N'a pas gain chance rencontrer eux au fur et à mesure pendant soirée. Mais avant de commencer, bon, me dit encore parce que moi n'ai pas tout le monde chita, pas tout le monde prêt pour soirée. D'arriver tout le monde jouer notre place pour au chita parce que soirée ça comme moi dit nous son grand soirée la pied. Alors on invite tout le monde pour en place et s'il vous plaît pour nous commencer, m'a demandé nous pour nous lever pour nous chanter hymne national créole. Alors tout le monde s'il vous plaît, levez-nous et m'a demandé nous rejoignez-nous pour nous chanter hymne national. Le pays pour les ancêtres, aux Champs-Unis, aux Champs-Unis, dans nos mains, point de traître, du sol soignant se mettre, marchons-unis pour le pays. Nous connaissons là, il y a un pile d'invités qui viennent, qui mènent l'autre monde, artistes qui mènent le monde, mais comme nous connaissons, il y a un pile situation qui arrive qui pas nécessairement dans mes noms, qui pas nécessairement sous contrôle nous. Alors pour cela, nous font grand excuse au nom de Blaï Kiltirel Nai. Et une autre bagaille que nous avons ajouté, nous avons l'habitude de chanter l'hymne national noir en français. Et à soyant, vous remarquez que nous chantons en français encore. Tandis que journée 1, c'est journée pour langue créole. Alors, encore une fois, excusez-nous du fait que nous ne chantons pas en créole. Moi-même, personnellement, je me fais un grand apprentissage parce que je ne connais pas en créole. Mais je suis content du fait que tout le monde ici, hein, nous chanter, nous participer dans en hymne national, là, nous toutes lever et nous montrer fierté nous pour hymne national haïtien. Là. Donc, tout à l'heure, m'a dit nous que soirée ça sont grandes soirées liées et me content ouais tout monde ça là présent en ce moment pour soirée de la peinture haïtienne. Et si nous regardons un peu, nous ouais gain de nom tant coup Edvard Saint-Just, Claudine Char, Judith Salomon d'Aruco, nous gagnons un peu plus ici, nous gagnons Didi Crève-Cœur, et ensuite nous gagnons Monsieur. Bon, moi, si je joue le nom. Parce que c'est un peu loin. Carl Greg. Monsieur... Oh non, Carl Greg, c'est sûr, Carlito Greg, mais celui-là, là-bas. Versin, Monsieur Versin, voilà. Alors, ce sont les artistes invités de la soirée. Et puis, ces artistes Sayo qui parlent parler un petit peu de Sayo mené pour nous à soyant, pour nous avoir à peu près une bonne idée de qui gendarme ils fait et en pile dans nos nous reconnaître, bien entendu. Et Carl Greg, si nous regardons bien, nous avons pile dans peinture qui dans restaurant. Donc, si nous regardons, nous pas pour Carl Greg là, mais nous pour non lit sous mur restaurant. Là. Alors, on a commencé sans plus tarder avec un premier artiste. Et premier artiste, ça, il est Dr. Edvard Saint-Just. Alors, on va appeler une petite biographie de artiste là. Ah, bien entendu, ce n'est pas une petite biographie parce que monde ça accompli et chaque artiste que nous gagnons à soyons accompli plusieurs choses. Alors, Dr. Edvard Saint-Just, a.k.a. Camille, en est porte-paix. Il a commencé la peinture à l'âge de 12 ans. Et en pile dans peinture, fait partie de collections privées et exposée au musée de Long Island à New York. Il a un style hyper réaliste que il a adopté et puis qui dévoilait une nature rapprochée de la photographie. Il est professeur d'éducation à l'université, notamment à FIU. Et en privé, il a enseigné l'art de peindre et technique de dessin. Toiles que présentez là sont les fruits, les fruits tropicaux et le dessin du penseur et de l'esclave. Donc ça c'est trois petites toiles que présentez là
et ils ont attribué au dessinateur Hogarth. Alors, nous avons invité Monsieur Camille Saint-Just vient parler nous un petit peu plus de ses peintures. Alors, on applaudit s'il vous plaît, docteur Edvard Saint-Just. So, depuis le tout petit, parents m'ont toujours réalisé que m'intéressé dans la peinture, ont acheté toile pour moi. Mais il y a une bagaille qui expérience que je fais en Haïti, la peinture en Haïti, où j'ai un pile artiste que je côtoyais, donc Célestin Constant, le gagneur, M. Zao. Même mon expérience que je vais faire avec nous, je suis dans la peinture Zao. Je suis entré ici en novembre 81, et puis l'homme décide de m'entrer, je vais faire toile ça, et nature morte, que nous gardons de l'œil. Et puis je décide de venir. Je vais aller dans la galerie Marassa. Je m'a dit 30 dollars pour lui. Il dit non. Il est trop cher, c'est 5 dollars pour moi. Je vais aller quand comment je dis encore? Il y a un gros gros. En fait, c'est une plus gros galerie dans le bois. Et puis, je vais aller dans l'air. L'année, on fait 10 dollars. Je me dis, ah, mon cher, 10 dollars, ça m'a coûté plus ça. Il dit non. Et puis vraiment, le gars, il m'a dit, je vais monter le national. Et puis mon frère, il m'a dit, mon cher, s'il vous plaît, je vais prendre 15 dollars. Il m'a dit, 10, je vais prendre 15. Il m'a dit, non, je vais prendre. Donc, puisque je suis parti dans lundi, j'ai décidé de me retirer. Je suis entré à New York avant, je vais prendre mon cousin. Et puis, cousin m'a dit, bon, mon cher, après 2 semaines pour New York, on ne va pas faire rien. Ça fait. Je vais acheter toile pour vous avec peinture ou à fond bagage. Anglais bas mon tout. Ok. Acheter toile moi. Et puis je vais X-Ville. Et puis je dis comme ça, c'est une compétition. 15 dollars chaque peinture entrée. Et puis je vais entrer toile ça dans la compétition. Et va dire, je ne vais pas connaître un anglais. Je vais recevoir une lettre qui dit comme ça que il accepte toile moyen dans la compétition. Merci beaucoup. Au nom de moi, je vais dire comme ça que je gagne un prix. Je dis ok. So vraiment, ils ont invité. Moi, belle bagaille, blanc, finement enragé, la pompe, belle bagaille. Je ne comprends pas comprendre rien dans cette durée. Et puis, il y a pris des artistes. Ça a gagné 10e prix, 3e prix, moi, je vais mourir les moutons. Ça a passé. Et puis finalement, il y a un 1er prix sur 500 artistes avec tableau. Sur le champ. Sur le champ, ils ont offert 5000 dollars pour la gloire. Moi-même, qui a besoin de vendre, je vais vendre à Haïti pour 30. Vous avez vraiment. Ils ont offert 5000, ils décidé pour me vendre. J'ai gagné un beau frère, il a traduit pour moi, il dit non. Curateur a venu, il dit non. Bon, moi, j'ai besoin d'argent, me fait rentrer, me barrer. Hein. Et puis finalement, l'homme fait ça dans la l'aller. Il a décidé de me prendre une pour m'aller. Curateur a battu, il dit oh. Ou pas cavaler non avec peinture. Moi les coups qui ça m'a demandé monsieur qui ça dit non condition yo peinture qui gagne un premier prix à il supposé faire 2 ans dans l'Ongar dans le musée. Sauf qu'on y a la roue prendre la main ouais. Bah j'en songe peinture à tout je suis venu décider de me aller à Miami dans peut-être on a 10 ans encore qui me décide oh faut mal chercher peinture. Bah allez au moment là il vient la caméra avec lui jusqu'à présent. Il a internet là mais il m'a qu'il faut son. Sold. Vous comprenez? So, si nous avons l'autre peinture intéressée, nous n'avons pas de problème. Mais ça, la vie de la gamme. Est-ce que vous comprenez? So, c'est l'expérience que nous avons besoin de faire avec nous à propos de peinture. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre une technique pour nous faire des dessins ou bien comment pour nous mélanger peinture nous, pour nous jouer une couleur que nous avons aimé. Si vous prenez contact avec moi, je suis trop content de faire avec nous gratis. Merci. Merci. Alors, Eva, peinture, tu n'as pas les c'est nature morte, là, hein? Et on va j'en dire, nous, est-ce qu'on recevra 5000 dollars ou bien plus ça? Oh oui, Ah, oui. Ça aller longtemps. Ah, ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Alors, m'a invité Rosie, on membre de Blaï Culturel Night, tant pour moi.
qui va inviter prochain artiste qui va venir sous scène là, parler avec nous. Merci. Le haïtien fait un tableau et que lui vient un compliment pour lui. Même lorsque l'argent va venir dans la poche, va venir dans la poche, c'est nous tous qui prenons gloire. Le étranger a dit this is nation painter. En tant qu'haïtien, fier ou fière, artiste peintre, et même les fiers. Dans la communauté, il y a un paquet de bonnes femmes haïtiennes qui artiste peintre, qui font un paquet de belles tableaux, de belles travaux. Et que grand pile mon assistant là, pas qu'on est. Et ce sont des femmes que moi-même, que je ne vais pas faire ça, qui ont un peu de respect pour eux. Et une plasticienne que je vais aller introduire là, c'est une là-dedans. Elle fait en Haïti, elle est à New York. Depuis qu'elle était 4-4, parents ne connaissent que le tapis. Parce que depuis qu'elle met même sur un bout de crayon, qui ça le fait, il marche, fait ton ton, il bouge, il madame dans tout le dessin, dans tout le mur, avec madame Salomon. Il oublie que c'est descendre, il ne va pas faire descendre là. Contrairement à l'autre Simon, il a eu une crayon qui a écrit ABC de ELG, lui-même, ce n'est pas ça qui intéresse. C'est marché écrit sur tout le mur, avec madame Salomon. En 1990, il a quitté New York, il décide pour venir habiter en Floride. Et c'est de là que la carrière artistique a commencé. Ça fait 12 ans depuis qu'il a fait la transition de dessin à peinture. Avant, c'est dessin de compte, comme on dit nous, sur Mouraï Kaïmaman. Depuis lors, il n'a pas jamais suspendu impressionner Famille, Zamil, Maril, Petitli et supporter Lio. En plus de carrière, il a en plastique, il a eu un baccalauréat que il prend à Barry University. Non, doigt. Tableau lio exposé dans Pembroke Pines Art Gallery, Pembroke Garden Mall, Pembroke Pines, Studio 18 in the Pine, qui est terminal là, The Memorial Cancer Center, Art Fest at Doral, Carlos Azibu University, Little Haiti Cultural Center, The Windham at Cold Springs, James L. Knight Center, and The Palms at Weston. Cavalio basé sur émotion, empathie, espoir et frustration. Parfois, l'inspiré de spiritualité, de la nature et de la beauté humaine. Après plus de 12 ans dans Métissa, il est classé parmi les meilleurs artistes femmes peintres haïtiennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons un bel geste, si nous t'ajoutons avec nous, pour nous applaudir l'artiste femme haïtienne, ça, Judith Salomon Dawipo. Merci, bienvenue. Merci. Dans la Night. Merci parce que vous avez accepté l'invitation. Moi, j'ai aussi une question pour vous. Et avant, c'est des cinq côtés qu'on fait. Qui ça qui fait qu'on fait transition entre dessin et peinture? Est-ce que c'est un conseil là ou bien son décision personnelle? Comment ça dépasse? Bon, bonsoir tout le monde. Comme vous avez déjà dit, nous, moi, il est Judith Salomon Dawipo. Et puis, ma première question, et c'est pas un monde qui prend un conseil là, c'est juste dans une galerie, dans les noms exhibit. Et puis, on regarde certaines peintures qui étaient étalées, que j'ai trouvé très magnifique. Bon, déjà, je pensais que, ah, tout le monde, il a fait ça. Donc, moi, j'ai décidé, je vais aller en hot store, je vais acheter peinture, je vais acheter canvas, je vais essayer. Naturellement, premier, deux, trois fois, mais c'est, oh, yo, j'en prête, you know, bah, comme ça. Mais après, avec practice, avec practice, bah, je vais développer, c'est ça qu'on a présenté trois tableaux, ça, yo. Et une spécialité, moi, c'est portrait. C'est ça que je vais faire, je vais tellement aimer faire, soit nature mode, ou bien landscape, c'est portrait, moi. Plus aimer. Ça, c'est pas quoi tu es, c'est une série de mots qui sont en tête, moi, que je voulais présenter sur et invasion. Et puis, voilà. La vérité en passant, que Judith n'a pas passé l'école des beaux-arts. Comme moi, je dis dans l'introduction, c'est Mireille Kamama la Papale qui traîne. C'est pas un professeur que le dégain, c'est un artiste autodidacte que tu as dit. Deuxième question que je vais pour Judith. Bien en plus, femme haïtienne, qui gagne même engouement ça pour gagner pour faire tableau.
par contre, bah, si c'est pas, yo peuple yo pas échoué. Qui conseille que vous avez fait femme haïtienne ça, qui t'a voulu lancer dans le même métier ça? Eh bien, bon, moi-même, ça me dit, moi, c'est pas pour dire que c'est un bail que je fais pour me vendre, pour me vivre, parce que c'est pour un bail que je suis capable de compter sur lui, que je vais vendre tant de tableaux chaque semaine et que je suis capable de vivre sur lui. C'est juste un bail que je fais. Moi, je suis très libre, je travaille all day avec mon cabinet d'avocat. Le besoin. Je tire le stress, moi, c'est pick up brush, moi, et puis commencer à peinturer. Donc, ça me dit, et au monde qui t'a aimé faire ça, pas qu'il y ait un job, ou qu'il y ait un travail, parce que c'est là qu'on peut compter sur l'argent, mais ça, c'est un bagage qui a commencé à pour développer, pour une clientèle, avant qu'on soit capable de penser pour faire une carrière avec lui. En tant qu'artiste peintre, vous avez 13 ans depuis où nous sommes maintenant. Pas gagner le sang casser les yeux. Est-ce que qui obstacle qu'on rencontre en tant qu'artiste peintre? Ou pas jamais rencontrer aucun obstacle? Et qui conseille qu'on travaille jeune peintre qui peut éviter qu'on ait même un grenage ça si ça te rigole déjà? Il y a plusieurs obstacles. Parfois, on commence à préparer un tableau, ou une belle idée dans tête ou une vision qu'on a aimé réaliser sur quel bassin. Et vous, ils vont côté au collé. Ça, c'est un obstacle que nous toujours rencontrer. Mais moi viens réaliser que si moi déposer tableau moi pas penser de lui ma you know ma travail sur l'autre bagaille et puis après on vient inspiration pour retourner sur lui. Ça c'est une obstacle que moi bien j'ai déjà parlé de obstacle l'argent c'est pas expect que c'est ça qui paye mes loups à moins que you're lucky enough to be a Picasso. C'est dans tout domaine, même dans l'écriture, on doit ça arrive, Bibi et toi livre déjà. Bon, d'accord, dis-moi, tu es là, j'ai dans la caille, moi. On dévie de tout. Malgré lui et lui même tout, il fait un bêtasine pour moi. Tu vas débosser dans tout domaine, depuis c'est art, musicien, album, c'est pas vous-même ça. Est-ce que vous gagnez un artiste peintre préféré? Si oui, pour qui vous? Non, je ne suis pas un artiste peintre préféré. Je suis capable d'apprécier l'art dans toute forme. Je suis abstract, je suis surréalisme, je suis tout. Je ne pas faire tout, je suis tout. Je préfère moi-même faire portrait. Parce que c'est une spécialité. Moi, par exemple, je commence à peinture, je suis en likeness, je développe, je suis en excitement qui est unbelievable. Donc, c'est ça que je c'est ça que je moi-même. Mais je suis capable d'apprécier toute forme de art, que le primitif, que l'abstract, whatever it is. Je suis très bien. Non, dernier exhibit côté gain dans le studio là, pour que là, que m'te allé, m'te voir un bel tableau côté fait, un jeune homme qui a beaucoup de bleu dans la tête, ça rappelait Haïti. C'est Haïti qui nous voit ça. Est-ce que c'est Haïti où t'es allé ou t'es vivre réalité là, ou bien il juste un jour, un beau jour, ça vient dans la tête de bonsoir, fait tableau ça? Non, maman qui est à Haïti, maman qui est à Haïti, et puis elle t'a pas allé me dire maman. Faire photo de toutes sortes pour moi parce que je me toujours dit, ou pas un artiste haïtien, ça c'est pas Haitian art. Moi je me dis, well, je suis un haïtien, et puis ça c'est art, mais c'est un Haitian art. Donc, je me dis, maman, pour des photos pour moi, c'est pour des petits bourriques, mon capote glow, etc. Donc, ça c'est une danse que je choisis, et un petit boy, un petit garçon petit qui t'a porté glow sur tête. Avant ça, je me fais garder, je me fais mon petit genre, que me fait mal, moi je me dis, petit petit là, mais petite femme là, you know, c'est beurre, m'ta beurre l'elle de pitié, mais pas de petit ça, la beauté de l'eau. So, ça te fait comme fait mal, t'es pédé moi, mais après, l'on garde bel petit sourire qui petit garçon gagne, ou est que l'y gagne, ou est que l'y happy dans sa lia, l'y gagne complètement parlé. So, m'décide, c'est lui-même d'a pétuler, c'est comme ça m'pétuler. Blanc, tu es là, après, merci pour participation au programme ça, et la souhaite une bonne continuation. Merci. Alors merci beaucoup Rosie et Judith. Et puis si nous regardons à droite nous, à gauche moi, mais à droite nous, on a trois portraits de femmes que Judith Salomon exposait là pour nous. Il y a plusieurs d'ailleurs, mais il a décidé de mener trois parce que nous avons dit seulement deux à trois. Donc il y a trois là avec elle. Judith, est-ce qu'on a dit que peinture fait aussi collection privée? Donc ou pas vendre peinture? Ou vendre peinture? Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a une carte à verre ou qu'on a quelqu'un qui est intéressé? Right? Okay. Thank you. Merci, Judith.
Alors, on a continué le programme non, avec un autre artiste. Comme nous connaissons, moi dis-nous, assoyons son soirée d'artiste. Donc, on a baillé chaque au moment pour venir parler de Arion. Et m'a invité une autre artiste femme. Parce que nous ne parlons pas ça en pile dans le milieu haïtien. Nous ne parlons pas en pile artiste femme. Et puis, nous ne sommes pas très au courant de femmes peintres. Donc, à ce moment, nous avons une deuxième artiste femme, qui est Claudine Charles. Mais avant Claudine Charles venir, elle a présenté l'autre biographie de lui. Claudine, née à Port-au-Prince, c'est Benjamin de 9 enfants, donc 4 frères et 4 sœurs. Il fait études primaires et secondaires à Saint-François d'Assise. Et en l'an 87, il a quitté Haïti pour venir installer en Floride où il recevait formation école professionnelle, Robert Morgan. Il a un diplôme en chimie, biologie, mathématiques à Florida International University à Miami. Et après que l'on a obtenu licence, il a poursuivi études universitaires en art, management et communication à l'Université Saint-Thomas à Miami. Premier mentor, Lee, c'était son grand frère. Grand frère Lee, qui est Pélissier Charles. Et il tient que moi vraiment dit ça. Donc, grand frère Lee était premier mentor. Lee. Et voilà que tout, il était un deuxième mentor, qui un grand peintre que nous connaissons, Wilfried Dalleus, qui remarquait Claudine et qui acceptait mentor Lee, qui apprend Lee, utiliser médium acrylique. Depuis lors, Claudine continuait fait peinture et à un moment donné, il y avait un troisième mentor qui relait un mentor français, un peintre française qui était relait Odette Moïse, qui apprenait à peine à faire peinture sur soie, sur la soie. Et Claudine continuait fait peinture sur soie et en 2009, ils ont invité Lyon en France pour participer à une exposition de peinture sur soie. Et l'y exposer au fur et à mesure avec les années. En 2013, il fait portrait qui est exposé au musée de sciences à Vizcaya, à Miami. En 2010, il y a une exposition à Miami-Dade College. Et encore 2010, 2011 et 2012, il est exposé à l'Université de Miami. Et il mène à ce moment une peinture pour nous. Et nous avons une peinture juste là, dans le temps, qui au fait représentait toute belle peinture que Claudine réalisait. Donc, s'il vous plaît, mettez-nous ensemble pour nous accueillir le peintre ou la peintre Claudine Charles. Claudine, j'ai deux questions pour vous, et puis ensuite, si vous voulez ajouter quoi que ce soit, de façon par où à faire. Nous allons parler un peu de l'œuvre que vous menez actuellement à Casa Champêtre. Le tableau, ça, c'est le tableau, dire les Red Rooster ou bien le coq rouge. Coq rouge. Pour qui ça? Parce que moi, je peins le tableau ça avec à l'huile. Et puis, moi, je voulais parler un style très original. Le style ligueur, son style perso et couteau. Moi, utiliser un style impressionniste. Parce que moi, tout le monde qui remet en pile Van Gogh avec Monet. Deux artistes, c'est artistes français et européens. Mais, malgré l'inspiration, moi, je tiens à ce que moi, je mettais style naïf haïtienne. C'est ça qu'on va dire très coloré, en pile couleur, la donne. C'est une peinture que moi, vraiment adoré. Son peinture que je n'ai pas d'espèce pour me faire, je pense que c'est le jambe peine ou coq. Je suis parti mal à Haïti pour la maman. Et puis, je fais un cadeau au coq. Là, je vais à Haïti. Mon profession, je suis au coq. Là, je suis au coq. Là, je me dis, bon, c'est coq, ça va peine. Là, je vais à Miami. Je ne pas de coq là encore, mais je suis peine pas dans Miami. C'est pour me rappeler de Haïti. Très belle histoire, n'est-ce pas? Pour y avoir aimé ou si un jeune artiste là, nous entendez Judith qui parlait nous de comment bon être un artiste pas trop facile, c'est pas ça qui a mené nous l'argent. Mais par contre, il y a quelques jeunes artistes qui peut être là, qui t'auraient aimé suivre chemin nous, trace nous, pas nous, qui conseille nous gagner pour jeunes artistes, que qui t'auraient aimé, qui t'a souhaité suivre voie nous. Ici, aux États-Unis,
c'est un pays que, qui baille toute opportunité au capable guerre. Donc en Haïti, mais même le m'a grandi avec des peintures, moi des crayons, des dessins, moi grandi depuis une petite m'a fait peinture, m'a fait dessin finalement. C'est grand frère qui t'a appris moi, mais il pas voulu moi la caille moi pour moi entrer dans le dessin parce que famille moi c'est plus axé sur science. Bon, papa c'était pharmacien, grand frère pharmacien, grand soeur c'est nurse, c'est docteur, mais même moi j'étais plus attiré ma peinture, j'ai toujours rêvé à regarder peinture, tableau, c'est ça que moi moi tout le temps. Donc malgré que j'étais forcé, c'est ça fait m'obliger de prendre tout degré ça, je prends chimie pour yo. Moi pour la biologie, pour ma thématique, moi je vais apprendre tout pour nous, même n'empêche que je toujours fait hors. Ouais. Mais ici aux États-Unis, ou capable ou gain possibilité pour vraiment aller dans l'INSA puisque sous son bon artiste, on toujours qu'à percer. Oui, il est vrai qu'on ne doit pas qu'à venir, mais il faut vraiment croire dans son faire. Pour que si mon kabil s'il croire dans son affaire, là capable arriver percer leur autre. Parce que aux États-Unis, il y a possibilité pour faire. Merci. Alors Claudine, est-ce que bon l'autre bagaille ou t'aurais aimé partager avec nous s'il te plaît? Moi t'aurais aimé partager que moi dans le livre ça, moi j'ai peinture, moi j'ai près de 14 peintures dans le livre ça. Yo les Here There and Beyond, c'était écrit par Christo qui est dans l'autre artiste haïtien là dans tout. Et bon l'autre livre que moi était là dans en 2009 par Émile Vial et que qui t'est présenté Coque. Donc c'était vraiment comme ça qui a attiré tout le monde sur moi pour comprendre que c'est un artiste vraiment. Donc moi fais vraiment peinture, moi j'étais autodidacte quand j'étais petit, grand frère moi ça l'idem, then d'aller then Odette française et puis j'étais tout aller FIU là pendant même la FIU, pas prendre peinture comme major, même t'es qu'on apprend classe. Non, mais en France, c'était des moi dans l'école là. Il t'a dit ou pas besoin vraiment d'aide dans le tableau parce qu'on inspire naturellement. Et c'est ça, Odette, comme dit tout. Parce que moi, j'ai un style différent, style moi très varié en peinture. Et moi, j'aime animal tellement nature. Moi, j'aime peindre la nature. Moi, j'aime peindre les animaux, spécialement les oiseaux. C'est ça, faire un dalle différent oiseaux après que je peigne. Et pas seulement coq là, moi peine cocotier, cocodou, moi peine un bel oiseau, yorele, la grue couronnée qui sorti en Afrique, qui est très belle le tableau ça, je dois montrer nous les, si vous voulez. Il est vraiment différent. C'est une autruche, son autruche que monde monte sous lui, yo même adopté bête ça la caillou. Et c'est un tableau que me vraiment remet. Mais yo so c'est un tableau que vraiment j'aime. Moi j'ai un style très varié avec Betjo et puis moi j'aime utiliser un pile médium. Moi utiliser l'huile, ça son tableau à l'huile lié. Moi j'aime utiliser acrylique et puis moi j'aime utiliser un autre tableau, un style que il est peinture sur soie. Moi quoi c'est moi seule comme femme haïtienne qui peint sur lui. Peinture ça là avec chevalio, c'est sur la soie. C'est avec encre que je peine, ni ça tout. C'est à l'encre. Donc, je ne pas jamais entendu que l'autre haïtienne qui peine sur la soie. Je suis allé juste en France pour mal faire une exposition avec, pour tableau ça. J'étais invité jusqu'à Lyon pour ça. Et je prends l'autre technique, je prends l'autre coup tout pendant l'autre bois pour me plus renforcer ça, me connaître la peinture ce soir. Et encore merci d'être venu pour nous supporter. Merci. Bon, Livlan. Si on est intéressé, Livlan, il est Here, There and Beyond. Monsieur que nous cajouni dans n'importe qui bibliothèque. Bon, édition, pas tellement sûr, mais Here, There and Beyond, and it's called The Work of 16 Haitian Artists of Florida. So, merci encore. On applaudit Claudine. Merci. Thank you.
Mois d'octobre, c'est moi qui destiné à la langue et à la culture créole. 28 octobre, c'est journée internationale de la langue créole qui parlait dans plusieurs pays dans le monde. Dans l'occasion ça, nous t'ai invité un membre de l'Académie du créole haïtien, en la personne de Pierre Vincent, qui malheureusement pas là à cause lié à participer dans une conférence sur la culture créole. C'est Madame Ni, vice-présidente Maudeur Delou, qui va le remplacer. Chaque année, depuis 1983, jour 28 octobre, c'est jour qui est consacré à la langue créole. Dans l'occasion ça, nous-mêmes, Blaye Culturel Night, nous avons l'occasion pour nous faire des activités, des poésies. Il y a un élève là qui va le présenter, poésie en créole, gagner des primes que vous pouvez recevoir pour élèves qui fait meilleure poésie en créole. Là. T'es gagné une époque en Haïti, génération Pamnan connaît très bien ça m'a dit. Et Léo tout, je connais très bien ça m'a dit. Lorsque tu parles créole dans la salle de classe, tu as un symbole ou bien fiche. Symbole là, son petit code, tu mets dans le cours. Et puis, dans la création, le professeur ou bien mademoiselle là, met au campus pour l'école. Là. Et puis, tout l'autre élève qui a passé, il a ironisé ou il a pour parce que tu parles créole dans la classe. Après, il forme Bernard là, en 1983. Créole là, vient pour extension. Tu as gagné un ambassadeur des États-Unis à Haïti. Le lit de son avion dans l'aéroport qui, à l'époque, nous avons gâté. La première phrase qu'il a prononcée, c'était en créole. Qui ça le dit? Bourri chargé, pas campé. Créole a tellement vu pour l'autre extension. Il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis. Parmi lesquelles, nous avons tout près dans la FIU. De Edonou, vers le nord, nous avons UF, University of Florida. Nous gagnons Sacred Heart University. Nous gagnons University Indiana, qui, pour me citer ça seulement, qui enseigne créole. Sans plus tarder, comme je ne suis pas trop calé dans ma chère créole, je vais inviter nous, tandis que Maudeur Delou, qui est vice-président d'Educavision, qui va élaborer plus sur la créole. Là. On nous applaudit ensemble. Maudeur Delou. Bonsoir tout le monde. Et par moi, tu es supposé parler à soi, c'est Pékin Vincent qui est académicien dans la langue créole. Mais je ne suis pas académicien, mais moi-même en créole, et nous sommes écrivains avec le créole, et je suis en créole. Là. Haïti, c'est un pays bilingue. Nous parlons de langue. Une que nous dit nous parlons, mais nous ne parlons pas bien. Et une que nous cachons, nous ne parlons pas dit que nous parlons bien, et puis c'est lui-même nous parlons. Donc, une grosse confusion là au départ, dans deux langues que nous parlons, puis je nous présente, je nous présente tête, nous parlons le monde. Comme vous disiez tout à l'heure, moi-même, des petits mondes, c'était presque un réseau pour qu'on bâton, l'on parle créole. Mais ça me vient réaliser, après, tu te demandais à moi, les moyens partis, moi, je vis mon pays pour yon. Et alors que je suis en créole, je réalise que chaque langue son fenêtre liée. Imaginez-nous qu'on est là, on va regarder nos fenêtres. Et pourquoi on dit fenêtre, on va regarder, c'est plus que ça. On va paraître dans la fenêtre là, où est ciel, où est terre, où est l'homme. Tout l'univers devant, les fenêtres ça à l'ouvrir. C'est ça où l'on y est finalement. Donc là, nous parlons de langue, et puis nous avons une serré son fenêtre nous empêcher qu'il ouvre. Ça m'apprend la culture créole. L'homme était exposé à l'anglais. Non? Ça me vient apprendre aux États-Unis, l'homme exposé à l'anglais. Me réaliser son père nom t'a fait. Si m'a t'a retourné sur moi-même pour mal ouvrir fenêtre créole moins. Et c'est dans l'ouvrir fenêtre créole moins, mais réaliser ça voulait dire pour monde haïtien. Sorti pour ton presse, aller en dehors, c'est les m'river, me reconnaître haïtien natif natal là. Alors, pour qui ça? Yo obligé célébrer créole. C'est un héritage grand ancêtres qui quitté pour nous. C'était façon par eux pour te communiquer entre eux-mêmes. Après savoir, je te parle différentes langues en Afrique
et puis là on arrivé quand le français a tapé les français, on était obligé voir une façon pour te faire mélanger brasser différentes langues africaines et puis il a fini mélanger avec français pour venir nous créole là. Donc créole, si nous allons bien pour elle, vous voyez extraordinaire que nous allons même nous compte peut-être. C'est peut-être une rare bagaille qui existait que nous tous 10 millions plus haïtiens, nous tous gagnons. Sans outils, nous tous gagnons en main. C'est la seule façon que nous devons garder l'autre sans parler, nous comprenons l'autre. Imaginez-nous ça, ciment ça voulait dire au point de vue épanouissement personnel, au point de vue culturel, au point de vue collectif. C'est créole là qui crée une grosse division. C'est mon qui commence à faire arriver. Mais là, nous commençons à séparer nous entre monde qui parle créole avec monde qui parle français. Quand nous perdons, nous faisons. C'est comme si nous avons bras droit là, bras gauche là, pas mélanger encore. Nous tous les deux, ni ça qui dit on parle français, hein, ni ça qui dit on parle créole là, nous tous les deux, nous venons amputer, nous venons perdre un bras. Alors que nous avons deux bras. Son privilège, son bénéfice que nous gagnons, que nous bilingues. C'est une belle bagaille que nous avons célébré créole là. Ça veut dire que nous prenons et nous mettons encore devant les yeux tout le monde. Pour nous rappeler tout le monde, son outil lié, son instrument lié, jouer lié. Et puis pas oublier la fenêtre là. Prochaine fois, nous avons chance. Ouvrez deux yeux nous sous la fenêtre créole là. Et puis nous avons le ciel, nous avons la terre, nous avons l'homme. Créole là, vous n'avez pas quelle bagaille là dedans. Moi, je suis très fier de l'Éducavision, nous publier plus que 1000 titres libres en créole. Parce que nous choisissons philosophiquement pour nous mettre en littérature créole disponible pour tous 10 millions d'haïtiens capables de comprendre ce qu'il a dit. Parce que moi-même, l'aime des petits, nous sommes jetés comme monsieur qui a travaillé à la caméra, l'après des matchs de football, monsieur a parlé français, il va nous courir, et puis il dit go! Et puis monsieur a dit maintenant, qui est-ce qui gagne là? Je vais suivre le programme. C'est lui qui a suivi, mais il ne comprendre. Et c'est pour ça que nous mystifions trois cas haïtiens. Nous exprimer dans une langue qu'on ne comprend pas, nous juger les gens, nous condamner les gens, nous tuer les gens. Dans la langue française, nous ne condamnons pas même comprendre de condamner. Mais là, côté nous y est, dans l'affaire de ne pas accepter le créole. Je ne pas gagner le français, je pense que je gère le français aussi bien que je gère le créole. Mais je crois que c'est un avantage extraordinaire que nous gagnons pour nous accepter que nous ambidex. Nous gagnons deux outils dans nous. Deux instruments, deux fenêtres l'ouvrir. Ouvrir les yeux nous, ouvrir que nous, remettre créole là, mes amis. Bonsoir. Parce que nous avons un bail spécial à soyons. En plus de la peinture, nous connaissons célébrer langue créole. Et Maud se présente nous un discours extraordinaire sur langue créole. Maud, moi c'est premier coupable dans langue créole là, parce que toujours dit pour qu'on parle très bien, on pas besoin peu. Avec grand entourage ça, et puis avec émission ça ou bien présentation ça yo qu'on a fait chaque quatrième dimanche du mois m'a vinn pi bon m'a fait du mieux. Alors ça me promet nous ça. Alors pour nous continuer, nous gain un volet de poésie, un volet poésie et avec jeune nous yo parce que nous voulait faire nous comprendre que Blaye Culturel Night mission li, une mission li c'est promouvoir jeune artiste yo, jeune nous yo. Parce que nous avons aimé que Blaye Culturel Night continue avec l'autre monde. Les nous-mêmes nous pas là encore, parce que bonjour nous pas là encore. Nous avons aimé continuer avec jeunes. Yo. Sur ce, nous invitons 6 jeunes. Venez présenter nous, ou peut-être 5. Présentez-nous des poèmes que ont écrit eux-mêmes en langue créole. Yo pral vin présenter nous langue poème sa yo dans langue créole là, mais c'est poème que yo fait yo écrit yo même. Alors, m'a quitté monsieur Yvon Edouard, c'est l'un des membres de Blaye Culturel, d'ailleurs celui qui a fondé, l'un des fondateurs de Blaye Culturel Night. M'a quitté le vin parler nous un peu plus de volet poésie ça. On a accueilli s'il vous plaît monsieur Yvon Edouard. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir qu'on ait avec nous ici, hein, à soir. Et quand on apprend de mesdames, ça fait 8e édition de Blaye Culturel Night. C'est un programme que
nous essayons de mettre sous pied pour nous faire la préservation et la promotion de la culture haïtienne. Assez souvent, l'homme vient dans le micro, a toujours profité, me fait quelques rappels. Il y a deux ou trois personnes dans la salle qui relèvent, qui ont baissé et dit que vous êtes content, puis vous avez envergure un programme de ce genre. Cependant, nous avons souhaité que nous ayons plus de monde qui répondent à l'appel. Encore une fois, nous pouvons arriver là. Puisqu'on a savouré ce que nous avons offert, on a demandé aux prochaines fois de faire déplacement, essayer d'inviter nos amis, nos familles, nos voisins. Pour ne pas arriver dans le point que nous avons arrivé. Il y a 200 personnes là, 250, peut-être même 300. Et nous ne pouvons pas faire sans participation, sans aide. C'est un programme qui est important. D'ailleurs, nous essayons de faire le maximum d'efforts possibles pour nous porter pour vous une série d'aspects négligés de la culture haïtienne. Tant qu'on Florence dit au moins là pour nous présenter des jeunes qui peuvent faire poésie en créole. Non, il y a un pays qui est vraiment machine tellement bien huilée que si nous avons tendance à venir acculturer, nous essayons de faire dans le milieu pendant qu'on a fait participer à plein temps dans tout ce qui a rapport avec la culture haïtienne. C'est très sérieux. Nous ne sommes pas capables de permettre nous le luxe pour nous perdre la jeunesse. Là. Et si nous ne faisons pas pour nous, nous ne sommes pas capables de tirer de l'eau à aller. Ça fait nous gagner à soi, nous gagner concours de poésie, c'est parce que il y a Maud qui se parle avec nous très bien de la langue créole, qui c'est une propriétaire de Educavision, il y a un publisher qui est dans la communauté qui publie un pile livre que l'auteur haïtien écrit, qui dès le départ a décrété que c'est sponsor officiel de Baïkil Tirel Naï. À côté de direction Casa Champêtre, c'est Maud qui fait l'autre pas pour une supporter, pour être capable de camper là toujours. Si jamais il y a un autre monde qui est sponsor, nous avons besoin de ça, s'il vous plaît, pas hésiter, faites-nous connaître là, parce que nous avons besoin de participation. Le temps fait un défaut, nous ne pouvons pas faire trop de nous pourrons gagner quelques jeunes qui pourraient faire une présentation et politique. Le vin là, nous pourrons compter sous appréciation pour nous déterminer gagnant. Parce que Maud lui-même avec Educavision décide de plus bail les primes. Premier monde, nous décidons qui fait mieux, a gagné $50, c'est déjà quelque chose. Deuxième, a gagné $25, et puis troisième, a gagné $25. Ok, ce sont des jeunes qui sont au niveau de high school, qui ont là-dedans qui a à peu près un an et au niveau collège. Nous allons quitter Florence le soin pour nous parler plus de ça, mais pendant ce temps qu'on est bien, c'est au même qui jury. Hein. Parmi ces jeunes, nous avons Dani, approché ou bien campé pour qu'on reconnaître lui. Dani, s'il vous plaît. Ok, il a. Nous avons Dorjina qui fait déplacement avec les membres de sa famille, qui l'a. Et puis, moi, j'ai une nouvelle fille qui a adopté de façon palie. Dame, ça, belle la sonne pour l'aller dans l'autre classe, c'est décrit qu'elle n'est pas prêt à aller parce qu'elle est dans la classe. Pas. Bon, et chaque jour, son combat pour l'aller dans la classe. C'est Mara Fontaine qui est l'autre bon. Là. Ok. Il va faire l'autre présentation. À côté de ces trois jeunes, nous avons l'autre élève qui présente que. Florence Kralle, le soin pour le présenter. Florence Kralle. Alors, de l'autre jeune, c'est deux frères et soeurs qui relaient Youn Nayo, soeur relaient Taj Mara, Antoine, et frère relaient Yudens Antoine. Ça me voulait rappeler, nous, c'est que nous prenons le temps des poèmes extraordinaires à Soyan. Nous ne pas y en déjà. Je ne pas aidé en aucune façon parce que c'est eux-mêmes qui écrit poème yo et de même pour Yvon tout Timoun yo écrit poème yo pour continuer en langue créole. Alors nous-mêmes qui pourrons décider, nous comme juge nous pourrons décider qui poème nous trouver qui délivrer mieux, qui passer message en mieux et qui poème qui attirer attention nous plus. Bien entendu, avant Timoun yo commencer présentation, m'a demandé yo pour les ap exprimer yo devant micro pour yo montrer nous en pile geste, pour yo montrer nous que yo senti ça y a dit hein, parce que ça fait partie de discours, de speech contest, right? Et puis que nous fait du mieux que nous capables.
Alors, si nous avons Lili, peu importe comment nous avons présenté Lili, fais-nous envie d'entendre nous et parler avec voix nous, projeter voix nous, pour tout le monde qui attend nous, les n'a parlé. Alors, nous allons commencer avec les jeunes de Yvon. Et nous avons demandé. Qui est-ce, Dani? Dajina de se présenter de Miramar High. Alors, demandez-nous applaudir Dajina. Le matin où c'est diamant, la brèche nous tourne l'or. Chrétien vivant, tribobabo, cavadine qui j'ai besoin. Mérite la soleil. Mon cher soleil, la reine soleil, la reine soleil. Mais mâle ou bien femelle, où était utile et belle. Ou détruit maladie pour capable protéger la vie. Alors, même ça, mon cher soleil, la reine soleil, et de me dire merci en pile, soleil. Dajina. On applaudit un petit peu plus fort pour Dajina, s'il vous plaît. Merci. N'a pas invité deuxième concurrente là, ou concurrent. Alors Yvon, est-ce qu'on a dit non, deuxième concurrent, s'il vous plaît? Dani? Non, c'est pas Dani, c'est Ismara. Ismara, est-ce qu'on a approché? Ismara Fontaine, est-ce qu'on a approché, s'il te plaît? On applaudit Ismara Fontaine. Tout petit petit m t'a grandi sou yon zile ki se yon peyi. Pou m kote la mite t'a fleuri pou anbeli figi la vi. Sa te fè yon gran plezir pou an goup zami ka bizatouye la vi pou ki te ka fè an ti souri. Mouve bon la mize souleve joug ma di m ko ou li kase. Jeune gens, jeunes filles, déboussolées. Jouk la, c'est enragé. Jeune gens, quand ils voient papa, belle-mère attaque à maman. Qu'il dit notre bord de l'eau, c'est quoi? Ou isolé, quand on pas content. Approchez plus, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut vous commencer aussi? Merci. Poème ça, il est pays. Tout petit petit, tu as grandi. Sous yon zile qui c'est un pays. Côté l'amitié par fleurie.
pour un bel fini la vie. Ça te fait un grand plaisir pour un groupe d'amis qui a besoin de la vie pour te garder un petit sourire. Mauvais vent, la misère soulevée. Joue bâtiment corps les cassé. J'aime Jean, j'aime fille déboussolée. Joue l'argent, c'était étranger. Quel voisinage, papa? Belle-mère, pataka, maman. Qu'il dit notre bord de l'eau, c'est quoi? Ou isolé, qu'on pas content. C'est vrai, trip pas codé, mais j'ai toujours mouillé. Parce que l'amitié, papa, voyager. Suis Jehovah, frère, comme un serré dans comme un. C'est pas vous seul qui déraciné. C'est seulement vous-même qui déracinez. Non, c'est pas seulement vous-même qui déracinez. C'est plaisir génération qui dessounait. Revio passé dans la fumée, parce que la caille grande, l'espoir par bourgeonner. Couffle chouk nan mou noir. Chaque jour, la vie semblait la pire chiffonnée. Ah, c'est qu'un capraché. Pays m'a défrippé, pays m'a délabré, pays m'a décrémé, pays m'a tâtonné, pays m'a tourné au côté. M'bouquet crié, même pas quoi m'bouquet de l'eau. M'ta rouqué, même pas que j'ai vim. M'ta fumé, mais ça pas prédit rien. M'ta boué, même pem, pour m'pas fini de pousser l'ina. Mais tonnerre, qui ça pour m'fout de faire? C'est vrai qu'elle m'a pas clair. Mais moi, je crois que nous tous, gagnons sur un vage la misère. Doué, soude ton coufax. Kébé pour kakébé. Korem pour kakoré. Yon jour. Avec la foi. Non, kalfou l'espoir. Pays va toucher terre. Merci. On applaudit encore une fois Samara, s'il vous plaît. Poème nous yo, maintenant de nous l'enapli, poème nous yo, pour tout le monde qui attendait nous jusque derrière, s'il vous plaît, approchez bouche nous de microphone, non, pour nous attendre chaque parole nous interpréter dans poème nous yo. Alors on a accueilli prochain jeune poète, artiste que nous gagnons, qui est le Dani Chéri. On applaudit s'il vous plaît, Dani Chéri. Yon zami, yon asos, yon potomitan, yon fam, yon maman. Tout moun nan ka la panike, le yo pa kont ki sa yo pral manje. Sa ka pleye, sa ka babye, bouche pa bat, vant kap kode. Pa gen vwa pou chante dimire, a la mize pou mari ni. De pou tan de bwa mari, sou li tout moun konte. Là, yo tout dit, pas gagné l'espoir. Yo perdu l'espoir. Maman sourit pour dire encore une fois. Yon j'ai retien pour yon petit espoir. Quel chita ou campé. Devant fouiller dit fait, il fait comptabilité. Tout mon a songé jodi, l'histoire qu'a songé la vie. Si on joue bail la parole, en vérité, la fait l'école. Le la peine envahit toute une zone parce que la vie a frappé une course icône. Maman Jean, de Comadone, campé pour bailler tout le monde sérum. Pour nous, pour eux, pour lui, il n'y a pas jamais si spon souffrir. Et c'est lui qui baille la vie. Tout le temps, c'est lui. Il est couché en dernier, il est fait en premier. Oui, tout le temps, c'est lui. Pas si spon honoré, bali respect. Bali respect qu'elle méritait. Remel. Et puis c'est lui-même qui baille tant. Oui, lui-même qui baille tant. Yon zami, yon asos.
yon potomitan, yon maman. Merci yon pile maman. Merci Dani. On applaudit Dani encore une fois, s'il vous plaît. Li déménager New York avec Fomini à l'âge de 15 ans. Li servi honorablement dans US Air Force, Active Duty and Reserves pour plus de 5 ans. Li poursuivre Bachelor of Science degree in Finance, dans Finance et International Business à FIU. Li te gon très une carrière très plein de succès dans Financial Markets pour 16 ans, pendant 16 ans. Li fini vocation li en Wall Street et c'est là le décidé pour le continuer expérience li dans international consulting, dans consultation internationale. Alors li vin faire une carrière dans consultation internationale côté le travailler dans transition gouvernement dans leadership of Prime Minister Gérard Latortue. Nous notre travail li t'est organisé avec l'autre consultant, on travaille que les de Game for Peace entre les Brésiliens et les Haïtiens pour les équipes de soccer entre Brésiliens et Haïtiens. Et jusqu'à maintenant, Jouet Sa remains traité une plus non Jouet plus succès qui gagne plus succès dans toute FIFA ces jeux de soccer. Comme senior consultant ou bien consultant senior, Carl a participé dans conception et implémentation de programmes de déconcentration de Port-au-Prince qui était introduit par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Pendant la période ça, il a eu une opportunité unique pour apprendre sur Haïti, sur culture Haïti, parce qu'il a découvert tout le territoire haïtien. Mais malgré tout succès qu'il a gagné dans le domaine consultation, hein, malgré tout succès qu'il a gagné en Haïti et dans le financial markets, dans le marché financier, hein, il a décidé que il pas fait ça encore, il a parti et il pas très bien côté pouvoir qui était attaché avec tout le travail ça. Il a parti, il pas senti satisfait et il a besoin satisfait plutôt côté créatif li. Et c'est comme ça il développer un talent pour les arts. C'est pour m'annoncer nous car ils sont autodidactes, donc il self-taught, il apprend lui-même comment pour le faire peinture et justement avec raison il fait brillamment et avec beaucoup de talent il capture beauté qui dans culture haïtienne non si n'a regardé tout autour pour tout côté nous avec marqué Carl aka Carlito Carl Greg. Li kwè que espoir nous c'est dans human spirit et puis li remet capturer balance qui gagne entre expression et langage corporel de tous les sujets. Alors nous ta remè nous prend un petit temps pour nous continuer tendez parce que sans plus tarder nous ta remè nous mettez main nous ensemble pour Carl Greg aka Carlito, s'il vous plaît, on applaudit. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde. Avant même que vous parlez de peinture, t'as et présenter au monde qui est tout à fait spécial pour moi là, que bien tant que Lys qui déplace le milieu là avec vraiment c'est la soeur de ma maman qui vient passer soirée avec on toujours supporter moi dans toute activité qu'on a fait. Alors on est capable de dire nous que c'est vraiment nous essayons de camper Carlito là pour une raison qui est bien simple. En essayant de faire l'ensemble, nous comprenons qu'on ne va pas inviter la culture. Pendant qu'on là, on réalise que grand événement qui est très important. Surtout qu'on a participé avec la bien content, qui aime voir un peu plus bas, pour qu'on va attendre ça Carlito pour le dire avant.
n'a fait ensemble, n'a pas essayé d'apprendre ensemble, n'a pas essayé d'avancer ensemble. Nous comprenons qu'un pile monde qui a rentré là, qui vient pour All White Affairs avec ambiance. C'est nous-mêmes qui faisons ensemble. Après nous, c'est l'ambiance qui va jouer. Pendant là, on va profiter de ça que vous partagez avant sur le plan de la culture haïtienne. S'il vous plaît, on fait ensemble. Essayez qu'on me voir un peu bas, comme attendre ça, n'a dit dans le micro. Ça. Ouais. Quand il n'y a pas de décision, essayez d'attendre, s'il vous plaît, ça va bien, soit apprécié. Merci beaucoup. Merci Yvan. Bon, je me dis tout d'abord que Blaye Culturel, ce n'est pas une organisation qui est simple. Depuis quelques années, chaque dimanche matin, on sait le Flandre qui réunit ensemble pour jouer au football et pour essayer, au moins pour nous quimber culture ensemble. Et, bon, moi, je suis capable de suspendre parler très, très facilement si que vraiment que ça l'engage tout le bruit, ça la donne. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est simple, je vais me déplacer. Et si nous avons maintenant ça m'a dit, nous, s'il vous plaît, faut que tu voix, non? Il ne faut pas empêcher de parler, mais au moins, pour courtoisie, je pense que c'est le minimum que nous sommes capables de faire. Parce que Blaye Culturel sont une organisation depuis des années qui a essayé de rallier au sein du monde ensemble. La preuve, nous avons un logo là, je suis capable de dire que c'est un cousin moi qui est en steamer que papa là avec nous aujourd'hui. Hein? Que monsieur fait ça pour nous, son bac, il fait gratis. Un. Deuxièmement, nous avons Cassa Champette qui est toujours là pour supporter l'activité, que c'est musique, que c'est l'autre aspect culturel. Alors, vous pensez que ça, bah, qui serait la fin, ce bac est important. On fait courtoisie. Hein? Parce que ça va pas durer au paquet de temps. Nous avons 10 à 15 minutes de temps. Hein? Je ne vais pas parler de moi-même parce que je pense que ce n'est pas important. Mais je pense que ça qui est important, c'est la culture haïtienne. Moi, j'ai une organisation que je suis, c'est-à-dire compagnie que je suis Fine Arts by Carl. Le motto que je gagne, c'est une euphorie visuelle. Parce que je voulais que pièce que m'a présenté non dame et que au monde gagne plaisir le regarder lui même euphorie même c'est alors c'est ça que m'a fait. Donc so, chaque artiste gagne ça relève un artiste statement. Artiste statement par moi c'est aspiration moi c'est pour exposer mystère, humilité, intrigue, exotisme de culture haïtienne avec art moi. Et ça que vraiment que m'a accompli pour faire et pour me faire comme ça c'est pour moi que nous atterrissons sur un marché international. Parce que c'est pas l'homme qui vient sur le marché international, c'est pas moi qui travaille, mais après on a pour toute culture haïtienne. Alors, moi pas voulu parler trop de peinture. Moi, je suis capable de dire que le tableau que j'ai là, je suis capable de dire quatre styles qui tout à fait différents. Ou pas pour yon qui représente le travail que je fais. Par exemple, si je regarde dans le coin l'autre bois, le tableau qui est l'autre bois, son style life, je suis capable de dire que son surréaliste que lié. Le nous garder l'autre tableau que nous avons entre cuisine, c'est abstract. Nous garder le tableau, ça a plus ou moins réalisme, mais c'est surtout penché vers et capable de dire impressionniste. Et définitivement, tableau, ça a son tableau impressionniste. Ce qui ça m'essaie de faire dans le tableau, c'est premièrement, avec couleur que je pensais qui représentait la culture caribéenne et définitivement la culture haïtienne. Par exemple, en photo, ça a une grande chance pour nous. Plutôt, on a capable que son photo que je me prends en carnaval, que je reproduis avec peinture, je savais plus avec l'huile que acrylique, parce que je me sens que je suis plus à l'aise là-dedans. Mais je suis capable de dire que le tableau, ça a capable. En carnaval, côté que tout le monde suppose que est content, je me dis que tu es une série de petits monde qui étaient tristes. So, ça a attiré l'attention, même de dire que le tableau de lui. Alors, au fait, qui sa culture là est pour nous-mêmes. Tout le monde toujours a dit qu'il s'agit pour dire Timounio. Même pas comme un message spécialement pour Timounio. Le message c'est surtout avec parents. Yo. Parce que moi-même, c'est à travers de mon grand-père l'église, de famille moi, qui était toujours à encourager, moi, acheter un canvas pour moi, acheter peinture pour moi, acheter un pinceau pour moi. C'est à partir de là que je me sens que j'ai une motivation pour me développer. Qui fait que je dis, je suis capable de dire que moi, je suis chanceux assez. Côté que je suis capable de dire que je fais des choses que j'ai toujours envie de faire. Je ne vais pas continuer de travailler en ça que à l'école. Hein? C'est les finances que je fais, même si je suis plus à l'aise, le que je peux exprimer moi, à travers la culture pays. Je vais partager avec les gens qui veulent entendre.
travail que je fais à travers en peinture. Hein. Et en fait, c'est ça que je fais. Je passe toute journée, moi, lever le matin, juste le matin, je fais peinture. Et ça me donne son bail que je souhaité que grand pile soit capable de faire parce que c'est vraiment là qu'on joigne toute satisfaction pour chercher. Et c'est ça que nous avons, que Timoun, par exemple, que nous avons, que vous faites pas décourager aussi, nous, que vous voulez commencer à faire 28. Au contraire, même de temps en temps, soit Timoun a une aptitude, achetez un livre pour lui. Maintenant, dans le musée, je pense que dans le musée, il y a plus d'importance que soit acheté dans un shopping center samedi après-midi. Au fait, je suis capable de dire que moi-même, jusqu'à ce que je suis en et samedi dernier, je suis en New York, je profite de ma long musée, je passe toute journée dans le musée. Je pense que c'est ça, bagaille ça, qui est capable de faire que nous capables de venir apprécier la culture nous, plus, capable de faire que nous capables de partager ça nous, que nous gagnons, parce que c'est ça que nous avons. Peinture, l'art, la culture, c'est ça que lié, sont question de partage, ou pas qu'un débat vous-même. Et en même temps, tout, lié de rehausser la communauté. Parce que vraiment, ou artiste, ou peintre, ou musicien, ou écrivain, il est vraiment représenté. Une époque l'envie, une époque l'en secteur, une époque l'en communauté, l'en communauté. Alors c'est ça que lié. Et encore dame, vraiment remercier Blaye Culturel pour l'opportunité ça. Dame, remercier Casa Champette parce que vous avez bonne motivation pour continuer le travail parce que vraiment j'ai acheté 4 tableaux là même. Et je pense que c'est tout bagage pour moi-même qui motivait mon pilote. Dame, que vous faites ça pour l'autre artiste surtout. Je m'en vais l'autre faire d'allusie. Mais vraiment, avec Blaye Culturel, continuez et encouragez tout artiste haïtien. De temps en temps, achetez un tableau, mettez-le là. Et puis, je pense que nous tous nous avons pour nous gagner. Merci et à bientôt, j'espère. Bye bye. Applaudissements à toi, Timmy. Donne pour un plus gros effort. Merci. On applaudit Carl, a.k.a. Carlito Greg, s'il vous plaît. Merci. Alors, après présentation Carlan, nous comprenons que il fait différents types d'art, mais là, on a parlé plus dans zone sculpture. Alors, prochain artiste m'a présenté nous son sculpteur lié. Non, lui, c'est M. Ernaud Versin, qui naît le 28 mars 1951 au Cap-Haïtien, de une famille artiste. Et à un très jeune âge, il choisit, papa le choisit pour lui être un sculpteur. Et papa, justement, il est Georges Laratte, un sculpteur qui est très renommé dans studio, dans art, dans sculpture dans le monde. Pardon. Dans ses vingtaines, vous m'avez supposé dire, l'hypati. Ernaud Versin parti pour commencer propre expérience pali parce que il fait travailler avec papa, il a décidé voler de ses propres ailes. Et après ses 20 ans, il a commencé à exhiber sculpture li à Amsterdam, à Vera Studio, aux Champs-Élysées en France, aux États-Unis et en Allemagne. Après quelques années, il est marié, père de famille, il a décidé que la ville vivre en Floride. En 2005, il a écrit un livre qui relève A Glass of Fire, publié par The International Library. En 2006, ils ont invité à Las Vegas pour recevoir un award que nous avons là justement sous Tabsa là-bas. Un award de la Société internationale des poètes qui est vraiment ISP, International Society of Poets. Alors, sans plus tarder, s'il vous plaît, on accueille M. Ernaud Versin, sculpteur. Alors, c'est seul sculpteur nous gagnons à soyons comme dans la catégorie. Tout l'autre, c'est artiste peintre, mais nous avons sculpteur avec nous à soyons. Alors, M. Ernaud Versin, à vous la parole. Merci Madame Florence et ma bonne sur mille fois parce que nous devons parler de Blaye Culturel à Alain TV qui te fait très content parce que Blaye Culturel vient pour moi depuis plus de 2 décades ma vie en Floride. C'est un point finalement réussi pour même comme des salles perdues à l'Institut français de Port-au-Prince. Et si nous n'avons pas parlé à ce soir-là
à haïtien pour nous obliger à remonter vers début 19e siècle avec Académie des Beaux-Arts du roi Henri Christophe de 1816 à 1820. Malheureusement, après la mort du roi, nous allons obliger tant plus de siècles pour l'alphonse-rehaussement avec l'arrivée en Haïti du professeur DeWitt Peters qui était rentré en Haïti après l'Institut haïtiano-américain qui est rentré comme professeur en 1944, qui veut dire plus de siècles à Haïtien Walton. Mais l'homme est rentré, malgré le professeur à l'Institut haïtiano-américain, nous cherchons dans l'activité sociale de construire un centre d'art. Il y aurait les monsieur père de art haïtien. Mais au fond, il y a des bons groupes intellectuels haïtiens qui pourraient exiger monsieur à ce que vous rentrez pour protéger les nantis haïtiens qui t'a progressé dans l'art, parce que ce n'est pas lui-même vraiment qui débutait l'art. Or, tout monsieur ça a travaillé début 19e siècle, là, t'es là, comme Hector Hippolyte et tant d'autres. Donc, il y a un groupe intellectuel tel que Price Mans, groupe Price Mans là, avec 5-6 autres. Et puis, on dit, monsieur, il n'est pas capable de quitter artiste haïtien à exploiter. Finalement, monsieur est obligé d'accepter. Et c'est là, centre d'art pour le faire une révolution artistique en Haïti. Qui pourra attendre encore pour avec le gouvernement de estimer qui pourra le faire bicentenaire. Et puis c'est là pour avoir un rehaussement international de haïtien. Mais moi-même, je suis sorti de génération 1950 avec l'ouverture de l'école en plastique qui pour la génération intellectuelle, pour pouvoir prendre Rosemary de Rousseau, on t'a de l'autre monde, que papa m'a introduit la grande petite monde qui m'a connu, c'est petit Georges Larette, moi, c'est aîné parmi des enfants de monsieur. Et de là, après études classiques, moi, je rentré dans l'atelier monsieur pendant plus de 6 ans pour me faire ce qu'il moi. Et c'est là que nous commençons à débuter avec l'ouverture de galerie Marassa à Pétionville, de Pépite Galerie, on t'a de galerie en Haïti. Et j'ai été choisi moi pour être capable finalement d'accompagner toute galerie ça y est, que moi fait début mal. Et c'est là que nous commençons à comprendre après études classique que nous avons l'autre étude pour le faire, c'est art. Mais là, on dit art pour haïtien, de 1820 à 40, ouverture de centre d'art. Et 70, mon Dieu, on était trop jeune à l'époque, puis on était déjà choisi pour me devenir Hernaud Versin. Mais moi-même, je fais tout début, hein. C'est là que j'ai commencé à faire art que nous sommes capables de faire. J'ai une photo qui date de 40 ans, mais nous pouvons faire 20 ans en Floride, nous pas fait sculpture, malheureusement, parce que ce n'est pas même l'encadrement. Et c'est alors que moi, madame moi, dit moi, l'Italie m'a dit que je n'ai pas fait sculpture. Pas de bois facile ici. Et puis il a acheté 2 pistes de wax. Et 2 derniers, c'est waxé, ça c'est moi qui ai 40 ans depuis que je suis fait à Pétionville, à Port-au-Prince, qui est exposé comme Madame Florence Toudila, qui est exposé un peu partout dans le monde. Et le livre, ça, Sculpture ou est-ce que l'IA, c'est un livre qui fait partout dans le monde que a été écrit, on a mis des noms sous lit. Et c'est là, nous dit comment
commencé fameux, bon, je ne sais pas si fameux, mais je commencé à travailler sérieusement. Et l'homme qui voyager, malheureusement, ça me tape chercher, il paraît que c'est la culture qui vient nous prime. Donc, moi-même, ça me tape dit pour là. C'est un second nature, il vient pour tout le monde qui travaille en art, qui voit. Éviter à écrire tout parce que je toujours dit tout le monde qui travaille sous la vue du silence, c'est le monde qui inspire. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, c'est de quoi qu'on même moins pas loin. Quel que soit mon nom, que un bureaucrate ou artiste, je choisis moi finalement pour m'écrire parce que j'ai écrit comme Madame Florence le dit, c'est moi qui m'écrit et puis finalement, je accepte par la librairie internationale du poète. On va faire exploitation de pensée avec ça comme fait. Même toujours dit que l'art n'est pas forcément du beau. Parce que mon caractéristique qui montre ça là, tout le monde a semblé au bagaille. C'est pas mais qui fait, c'est juste son caractéristique. Et des art là-dedans. Et c'est de là que moi offre tout le monde que continuer à offrir Timounio, comme Carl Sop dit, à apprendre ça qui a la sang dans lié malgré tout étude qu'on capable faire, quelqu'un soit sans garder, il semble hard et c'est pour faire prononcer, pour faire retourner yon bagay dans tout ça clair. Et m'a dit merci pour tout le monde qui a apprécié ça me fait, qui a apprécié ça me déconne fait. Merci beaucoup. On applaudit encore une fois M. Ernaud Versin, sculpteur. Merci. Avant de nous terminer, pas tout à fait, nous avons un point d'histoire que Yvon va présenter nous tout à l'heure. Mais avant de nous faire ça, nous avons fait tirage trois de ces livres ici, Dictionnaire créole Vilsain, troisième édition de Fekir Vilsain de Maud Ortelou qui t'a parlé avec nous plus avant. Alors, m'a posé nos questions. Premier monde, moi, ouais, qui levait mes hauts, moi, ouais, qui levait mes hauts. Depuis de répondre question bien, Abgen Livsa, bien entendu. De Fekir Vilsain et de Maud Ortelou. Alors, nous t'arrêtons, comme on dit, moi, artiste qui fait que ce n'est pas les couignets, qui n'en lit? Dis ça encore? Voilà, merci, M. Ernaud Versin. Congratulations. On applaudit, s'il vous plaît. C'est bien, cinq jeunes poètes qui sont lits, qui sont présentés poèmes en créole, que ont écrit eux-mêmes pour nous célébrer langue créole haïtienne. Non? Alors, je me parle dans sa langue qui dit non, un poème que vous songez. On va lever maintenant. Oh, ok. Dim. Soleil. Merci. Venez prendre un livre, s'il vous plaît. On applaudit. Ok, merci. Et troisième livre là. On va marquer mes arômes. Ok, non, on va marquer mes arômes. Troisième livre là. Quatrième. Ok. Troisième dictionnaire là. Dis non artiste qui est tout peinturé dans tout mur ici. Hein. On applaudit. À chaque fois, nous lançons un événement, Blaï Culture Night, Blaï Tête des Commissions, ou bien pour les apprendre nos bagages que nous ne connaissons déjà. Ou bien pour les rafraîchir mémoire si son bagage que nous te connaissons, mais qui peut-être qui n'oublier avec le temps. Nous apprenons par exemple Jean-Jacques Dessalines, premier empereur d'Haïti. Il y a des gens qui disent que c'est en Afrique de l'Ouest que fait. Il y a des gens qui disent que c'est en Guinée. Il y a des gens qui disent que c'est dans la Tibonite, dans la paroisse Verrette, sur la plantation Marchand. Il y a des gens qui disent que c'est pas le témoin, il ne va pas mourir pour rouge. C'est déposé ou d'a déposé cadavre là. Objectif Blaï Culture Night, c'est pour rappeler nous, parler nous de moun sa yo que en un sens nous en sommes brillés. Et si nous t'ajouons avec pour nous applaudir Yvon Edouard, il pourrait prendre brasser l'idée avec nous dans une petite rubrique que le relais. Point d'histoire, mesdames et messieurs, Yvon Edouard.
Ok. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Et merci de nous prendre en pile pour participer avec nous dans la 8e édition de Blaye Culturel Night. Il était programmé pour nous présenter un coin d'histoire. Mais avant, je n'ai pas mis la hésitant parce que je suis tellement réalisé que les gens qui sont dans là, qui n'ont pas intéressé dans ce qu'on fait là. Nous comprenons que nous avons une place publique, grand pile dans nous qui payons comme nous pour entrer là. Nous n'avons pas le droit de dire qui j'en pour agir, nous connaissons ça. Mais nous croyons que le temps utile en pile si jamais vous devez payer attention parce que nous devons apprendre ensemble. Plus nous avons une culture là, plus nous avons vivre ensemble, plus nous devons supporter et faire grandir pour l'autre monde de respecter. Dans ce que nous dit là, de Jean-Jacques Saline, nous avons l'impression que vous comprendre pour qui ça est important pour vous-même comprendre et connaître la culture haïtienne. Mon paquet de respect pour vous. Moi, content pour la à soi. D'ailleurs, sans ou même pas bien chaud. Cependant, en faire ensemble, tant pis, même pas courtoisie, mais c'est voir, quittez mon grand vitande et autant dit, parce que nous grand pile pour nous apprendre ensemble. Ouais, en faire ensemble, s'il vous plaît. Dans la soirée à soi, nous avons parlé de langue créole haïtienne. Nous avons parlé de journée internationale des artistes. Et puis, comme c'est dans le mois d'octobre, nous y sommes, c'est Dessalines de tomber. Nous croyons que l'important pour nous parler de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Grand pile monde qui écrit sous Dessalines. Grand pile monde qui était peur sa Dessalines était fait. Je vous dis. On ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre ça. C'est ça que nous prenons une décision dans le point d'histoire pour une porter par où qui travaille des salines de fait et qui impacte ça te gagne sur le monde que vous vivez là-dedans. Avec permission et collaboration, on a essayé de faire ça. Malgré que nous ne pouvons pas encore attendre, mais on a essayé de faire quand même. Dans un monde côté raciste avec avarice, fait de intérêt, un guide indispensable à une majorité relative, qui dominait une société corrompue. N'importe quelle encyclopédie capable de faire quoi que le premier pays qui vient indépendant dans l'Amérique, c'est les États-Unis. Ils ont gros menti. Je vais répéter, ils ont gros menti. Que peut-être vous-même vous croyez, mais c'est un gros menti. Si au moins, vous êtes capable de prendre un temps pour aller chercher qu'on est qu'après l'indépendance des États-Unis, il y a 650 000 esclaves qui ont été esclaves pendant près de 100 ans pour suspendre quoi ça encyclopédie ou dire. Même gens, pendant capable de dire, premier constitution des États-Unis, te dit clair que yon nèg te rete 3/5 yon humain qui vit sur la terre. Tenez bien, oui, dans la première constitution États-Unis, il était écrit bien clair pour tout le monde de comprendre que yon nèg vaut 3/5 yon blanc. Je vous montre que pendant qu'il y a parlé d'indépendance, il y a parlé de libération, ça n'a jamais été matérialisé ou bien concrétisé dans la société, ça a été dit à la dire. N'a dit avec force, selon l'historien Eduardo Galeano, que Haïti c'est le premier pays dans le monde côté esclavage été aboli pour tout bon. Quel que soit livre ou lien, pas mettre ça, parce que conseil de raison bien déterminé, on va décider by Haïti crédit. Et ça a une valeur. Après que la guerre de l'indépendance était finie avec la bataille de Vertière le 18 novembre 1803, le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines le Grand proclamait l'indépendance d'Haïti sous place d'armes en Haïti, côté le fait qu'on est que pays ça, les libres et indépendants et les mettent tête li. Ça te fait un pile monde fâché. Et je vais essayer d'expliquer que jusqu'à présent, ils ont été fâchés,
parce que quand on me dit que le monde est contrôlé par intérêt, et intérêt par nous, pas marcher ensemble avec intérêt par nous. Ce n'est pas normal que les gens soient fâchés contre l'abolition de l'esclavage, parce que pendant que nous avons abolition de l'esclavage, nous avons pas l'autre pays qui a continué avec le système esclavagiste qui a rapporté tellement. Ça fait tellement emmerder les États-Unis. Que Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, te prend plaisir pour dire que la peste de la rébellion te prend naissance en Haïti. Attendez bien. La peste de la rébellion te prend naissance en Haïti. On connaît bien, on parle de la peste. Ça vient après, c'est l'extermination. Si jamais nous présentons une peste, il faut que nous exterminions nous. Jusqu'à présent, ça ne va jamais changer. Pour ça faire me dire ça ne va jamais changer, nous avons Franklin Delano Roosevelt, un président qui fait plus de temps à gérer le pays qu'on vivre et qu'on remet en pile là. Je ne dis qu'on vient pas. Tu prends plaisir pour le dire, il y a un bout de tête pour ne pas qu'un bon nègre permette de parler d'indépendance. Son arrogance qui est tellement élevée, il faut que nous prenions toutes dispositions nécessaires pour empêcher le pays à grandir. Quelle solution je vais présenter? N'a pas de monde qui est à terre, n'a pas soi-disant monde qui dit que vous avez un lien, pendant que nous avons fait un monde qui a un lien, à continuer à gommer entre eux-mêmes pour que le pays ne va jamais avancer. Pourquoi vous avez intérêt pour comprendre ça, Nabdila? Lorsqu'on dit que Haïti c'est un pays qui est pauvre dans l'hémisphère, là, je répète tout le temps, mais pas jamais de monde qui prend plaisir pour dire pour qui ça fait Haïti plus pauvre. Eduardo Galeano dit, dans le dernier livre que l'écrit, Haïti, cette insolence nègre qui continue d'expier son péché de fierté. Puisque nous avons fierté pour nous déclarer que l'indépendant et que Blanc lui-même qui croit que nous avons fait pour nous servir, le fâché, il prend disposition nécessaire pour ne pas jamais grandir comme ça, pour nous couper dans la misère, pour quel que soit l'autre pays qui a gardé, nous dit que je ne vais pas faire dans quoi Haïti parce que je ne vais pas aller massacrer d'Haïti arrivé. C'est de voir pour essayer de comprendre le pourquoi de notre misère. Ou c'est haïtien. Pays ou pauvre, tant qu'on dit, une raison qui fait le pauvre, si vous ne comprenez pas pourquoi ça que le pauvre, vous ne pouvez pas trouver une solution à problème pays. C'est un devoir pour nous, dans la culture, qui parle de promotion et de préservation de la culture, bien sûr, parce que nous voulons que Haïti était vivant, pour ne pas aller aux conséquences et origines de misère pays. Jusqu'à présent en France, ils ont fait un devoir pour mauvais tiers, pas jamais arriver dans les oreilles de blanc français. Jusqu'à présent, dans quel que soit le livre qu'on a lié, que utilisé pour instruction française, ou pas besoin de mauvais tiers. Pour qui ça? Parce que la bataille de Verdières, c'est des premières défaites que l'armée dans l'armée Napoléon a été essuyé face à l'armée nègre indigène qui décida en Haïti. Son insulte pour un nègre capable de défier une armée blanche. Mais vous ne pouvez jamais oublier ça. Le par exemple, si français à l'école, que c'est dans un manuel littéraire, que c'est dans un manuel scolaire, que c'est dans l'équipement que utilisé dans la technologie, par exemple Internet, il y a un plaisir de ne jamais parler de Verdière. Parce que si on parle de Verdière, si français va poser question, il va demander c'est quoi Verdière. Il ne va pas connaître que Napoléon t'a perdu en bataille, donc on détecte de Verdière. Un site internet français qui a développé pour faire promotion de l'époque de Napoléon.
de 1739 à 1989, mais ils ont un plaisir pour ne jamais mentionner Vertière là-dedans. Ils ont parlé de toute grande bataille que Napoléon a gagné ou bien qu'il a participé. Nous sommes capables de voir quelques noms dans le cas où le temps n'a pas fait un défaut. Il y a 80 études qui font. Dans 80 études, il y en a 6 qui sont basées sur les batailles de l'Empire, telles que Trafalgar, Austerlitz, Lena, Eylo, Somosierra et Waterloo. Vertière pas mentionné parce que vous parlez de Vertière en fait surface pour Français à pas connaître que Napoléon a perdu en bataille face à une armée indigène. C'est monsieur Jean-Pierre Le Glonec qui dernièrement en 2014 qui voulait parler de l'armée indigène, la défaite inconnue de la France, qui publiait cette information. Pendant qu'on a minimisé la bataille de Vertière, que moi-même Morelli, le commencement de la fin d'une ère, l'ère esclavagiste, blanc jusqu'à présent traumatisé par les exploits de Dessalines, que vous-même on va respecter. Des historiens haïtiens qui ont parlé de différence entre Verturien et Dessalinien. Absurdité. Pas de différence entre Dessalines et Toussaint Louverture, sont question de continuité. Si pas de Toussaint, pas de Dessalines, et Dessalines a fini le travail commencé par Toussaint Louverture. Et c'est exploit Jean-Jacques Dessalines qui fait aujourd'hui à nous camper là en tant que peuple. Si Dessalines pas continuer de travailler Toussaint, nous ne pouvons pas camper là aujourd'hui avec arrogance pour nous parler d'histoire. Mes amis, tant pis. Moi, je n'en ai pas intéressé tant de respecter les décisions. Mais cependant, on suspend tuer en cette nuit. Chaque fois que vous-même vous décidez de passer à Haïti dans la bêtise, ou bien négliger la culture haïtienne, ou bien rester ignorant en fonction de l'histoire d'Haïti, ou touriez encore l'autre fois. On suspend faire ça. Et vous allez dire pourquoi ça m'a demandé de suspendre faire, c'est parce que nous avons là une grande dame qui c'est maman, on élève moi, qui prend décision pour l'écrire à cause de ça que vous allez lire, pour faire sentir que chaque jour levé, n'a touillé sans cette nuit, et si des salines de levé, je vous dis, on sera content pour voir ça, être capable de garder là. Il écrit, dis-moi qui ça l'histoire nous y est. Est-ce que nous sommes un peuple ou bien une nation? Si ce qu'on continue à tirer dans cette nuit, sans yon pas d'avoir libération. En train de célébrer la mort de Saline, il a le temps pour nous reconnaître le travail. L'histoire racontée, brave passé yon en point. Dans la vie en point, même de yon pile courage et en pile action qui te bat nous vêtier. Sans ça, pas d'avoir gagné la première république noire indépendante. Jean-Jacques Léon est tout le temps premier république noire indépendant. Est-ce que nous songeons Jean-Jacques Dessalines à la campagne qui était menée pour être capable de devenir un peuple libre? Non, moi j'ai un doute sur Jean-Jacques agi. Je ne vous dis pas, on prend temps pour nous penser à rêve Jean-Jacques Dessalines avec l'autre ancêtre nous. Qui Jean y a été collé tête ensemble, y'en a l'autre. Pour te faire capable de dire ensemble, ensemble, nous fort. Frère, sœur, Haïti a prêté un pays, nous-mêmes Haïtiens a prêté un peuple, si jamais nous voulons rester. Et m'a dit au que, ensemble avant, nous dit que Haïti n'a pas péri, n'a fait de Haïti ça le supposé hier, et Jean-Jacques Dessalines a toujours été en pays ou pas nous. Merci beaucoup. Moi-même, moi t'entendre et moi apprendre. Alors, nous bon point d'histoire, chaque fois nous gagne blague qu'il tirait night, third or fourth Sunday of the month, troisième ou quatrième dimanche du mois, nous invitons nous ici hein, à blague qu'il tirait night dans Casa Champêtre. Et c'est pour ça qu'on a remercié à Souéan, deux propriétaires de Casa Champêtre, Gerline et Maximo. On
remercier yo, m'a remercier nous au nom de Blaye Kiltren Night pour site là, pour place là que nous ban nous, pour nous sponsor nous, pour nous cala soyons et puis présenter nous soirée ça chaque troisième, quatrième dimanche du mois. Alors, sans plus tarder, m'a passé nous encore à Yvon, cap ton dernier mot avec nous. Merci Florence. On a fait transition en douce. Normalement, après Blaye Kiltren Night, c'est toujours ambiance qui performe. Avant ambiance, c'est une section musicale que nous allons écouter parce que l'heure pour ambiance est commencée. On a dit que souvent, qui est dans la salle, qu'on ne peut pas en blanc, c'est parce que ambiance a fait des anniversaires et puis ensuite, il y a un All White Affairs. Pour participer, il faut payer $10. Si jamais il y a un monde qui est pour Blaye Kiltren Night qui pas payer n'importe quoi, on aime bien que pour rester et pour continuer avec l'ambiance, il faut payer $10 pour pouvoir rester dans la salle. Parce que c'est fait taillolier, c'est anniversaire, on veut décider de fêter comme ça. Nous gagnons un chanteur, qui est ce que j'ai assez de mots pour me décrire, il y a qui va charmer nous là en pile. Et l'homme se parle de pour le job, nous avons raison de toute la parle envie de danser, galoper, pomper. Et m'a pas compris, m'a pas dit que ça va faire. Arrive juste dans cette salle-là. Bravo pour ça. Avant même que nous continuions, nous avons demandé à Aurel Jean-Baptiste et Joe Charles pour faire transition en douce, pour nous remercier pour qu'ils deviennent là pour Blaye Kiltren Night avant même que l'ambiance commence. La toute dernière participation de Blaye Kiltren Night ou bien offre la fait nous avant que l'ambiance prenne podium. S'il vous plaît, on continue pour la transition en douce.